radar humain que dans la contrainte. Plus on est capable d'assimiler de contraintes, plus on se propulse de l'intérieur vers l'extérieur grâce à ces contraintes. C'est donc une chose importante. Ça peut être la vache enragée, ça peut être la solitude au milieu de la foule, ça peut être toutes sortes de contraintes, mais seule la contrainte est créatrice. Et pourquoi elle est créatrice, la contrainte? Parce que si on s'endort, on est à côté des lois de la nature qui nous forcent, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on ressente, à se mettre dans sa voie à elle, c'est-à-dire la création permanente. Dès lors, quand on crée de manière permanente, le temps ne passe pas, quel grossier personnage, le temps ne passe pas, ou on n'a pas le sentiment qu'il passe, on produit, on crée, on offre, etc., on est bien calé à l'égard de la nature elle-même.